Bonjour à tous, bienvenue à l'activité là, qui porte sur la présentation des programmes de baccalauréat en sciences infirmières. Karine et Annabelle, je vais vous inviter à ouvrir vos caméras parce qu'on va vous présenter. Donc, on va commencer par se présenter, puis ensuite, on va vous expliquer un petit peu le déroulement de la séance d'aujourd'hui. On a beaucoup de participants. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un réel plaisir. Alors, sans plus tarder, nous sommes Doris Camelan, Karine Brassard et Camille Sasseville, qui sommes responsables de la gestion des études à la Faculté des sciences infirmières. Donc, c'est nous qui accompagnons là, les étudiants dans leurs deux, trois ou plus années d'études. Et on a le grand privilège d'avoir Annabelle Lemay avec nous aujourd'hui. Annabelle qui est étudiante de deuxième année dans le programme de baccalauréat initial. Donc, elle pourra faire un petit témoignage là, sur son expérience, puis elle va être là aussi pour répondre aux questions. Donc, comment on va fonctionner aujourd'hui? On va commencer par vous les présenter, ces deux beaux programmes-là. Donc, au menu aujourd'hui, le programme de baccalauréat en sciences infirmières formation initiale et le programme de DECBAC. Vous allez évidemment être invité à poser des questions, mais on va les garder pour la fin. Donc, vous voyez en bas, il y a un petit onglet Q et R, donc questions et réponses. Et c'est à cet endroit-là qu'on va vous inviter à aller écrire vos questions. À la fin de la présentation, on va poser les questions oralement. Et il y a un des panélistes qui va se faire là, un grand plaisir d'y répondre. Donc, c'est parti. Je vous partage mon écran à nouveau et on passe à cette présentation-là. Donc, voici, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, les deux programmes dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, le baccalauréat en sciences infirmières, formation initiale et formation intégrée DECBAC. Donc, je vais prendre la parole. Donc, bienvenue. Merci d'être en grand nombre ici. C'est vraiment agréable. Je suis contente de pouvoir vous parler à défaut de vous voir. C'est sûr que l'université, hein, c'est une grande université, l'Université de Montréal, puis la Faculté des sciences infirmières fait partie parmi la plus grande faculté francophone au monde. Donc, c'est assez grand. C'est la faculté québécoise qui diplôme le plus d'infirmières au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. Donc, c'est des bonnes raisons de venir nous voir. On a une approche pédagogique assez particulière, qui est très active. Et avant-gardiste, on pourrait dire. Donc, on n'est pas, que ce soit au niveau des stages, des activités de simulation, des laboratoires, on a très peu de cours là, magistraux ou très passifs. Donc, on est très actifs dans nos apprentissages, puis on va vous en parler un petit peu davantage là, au cours de la présentation. Qu'est-ce qui nous démarque aussi? Bien, c'est sûr qu'on a plusieurs, c'est une formation très pratique, comme c'est indiqué, et on a aussi des possibilités de cheminement enrichi là, à la fin. Je vais expliquer en quoi ça consiste aussi. C'est une grande faculté, la Faculté des sciences infirmières, et vous avez deux possibilités, deux campus. On a un campus à Laval et l'autre à Montréal. Donc, il y a des gens qui préfèrent, vous allez pouvoir là, explorer là, sur notre site Internet les deux côtés et puis vous allez voir qu'est-ce qui vous convient. Donc, je vous invite à aller visiter aussi nos pages pour en savoir davantage là, à ce sujet-là. Voilà. Ensuite, c'est moi qui l'avance ou Camille? OK. Donc, je vous parle un peu de la structure de notre programme. On a la formation initiale. La formation initiale, elle s'adresse aux étudiants qui ont un DEC en sciences de la nature ou l'équivalent. Donc, c'est une formation de 3 ans, un 103 crédits, donc c'est assez chargé. Ça se donne à temps plein. C'est sûr que c'est un programme qui se donne à temps plein, mais il y a possibilité à certaines sessions d'alléger un peu le nombre de cours. Par contre, c'est sûr que ça va prolonger votre cheminement. Et vous avez un maximum de 5 ans pour terminer. OK? Voilà. Chaque session, vous avez un stage. Donc, vous allez pouvoir vraiment faire l'expérience d'une clientèle différente puis aussi voir qu'est-ce que vous préférez puis vraiment être dans le bain.
Donc, je ne vais pas lire avec vous tous les cours. Je vous invite encore une fois à aller sur le site de la Faculté des sciences infirmières pour en savoir davantage. Mais je vais regarder avec vous en mots. Vous voyez, il y a les stages. Donc, il y a initiation à la pratique infirmière tout de suite en session 1. Donc, vous êtes déjà dans le bain là, tout de suite en commençant. Le stage de chirurgie en session 2. En session 3, le stage de santé mentale. En session 4, vous faites le stage de première ligne et de santé populationnelle, donc un peu la santé communautaire, si on veut. En session 5, le stage de soins critiques. Et en dernière session, qui est la sixième, c'est vraiment un stage d'intégration là, beaucoup plus long, beaucoup plus approfondi, avec une clientèle qui vous intéresse. Mais je vais vous reparler des cheminements plus tard. Pour ceux et celles qui ont déjà un DEC en soins infirmiers hein, du Cégep, donc, on a la formation intégrée DECBAC. Quand vous avez un DEC, oups, il y a comme une petite... Quand vous avez déjà un DEC, on vous reconnaît l'équivalent de la première année. Donc, on vous reconnaît un 35 crédits que vous n'avez pas à faire. Donc, le baccalauréat, le programme va durer 2 ans à temps plein encore, là, selon les mêmes principes. En session 1, donc, vous avez des cours vraiment propres à votre programme. Et en session 2, là, on vous est, comment je pourrais dire ça, fusionné avec les étudiants du bac initial là, qui ont commencé là, 1 an et demi avant. Donc, les mêmes stages s'appliquent en première ligne, santé populationnelle, soins critiques et stages d'intégration. Donc, c'est un peu la même formule. Je n'ai pas dit tantôt, mais... pour ceux qui sont au bac initial, vous allez pouvoir faire l'expérimentation de 2 styles d'horaire. On a un peu l'horaire qui est plus traditionnel, on l'appelle déplié chez nous, mais qui est l'horaire où que vous allez avoir tous les cours commencent en même temps au début de la session, s'échelonnent sur tout le long là, de la session, terminent à la fin, comme un peu ce que vous avez connu, j'imagine, dans le passé. On a aussi ensuite, viendra les cours en séquentiel où chaque cours est donné un à la fois. Donc, c'est plus condensé, mais vous avez juste, vous êtes dans le bain pour un cours. Ensuite, quand c'est terminé, vous commencez l'autre cours. Au DECBAC, là, c'est pas mal l'expérience séquentielle que vous allez faire principalement. Donc, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est très intéressant là, de pouvoir essayer les deux. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous parler, c'est la dernière session. La dernière session, en fait, le stage, en fait, vous avez à faire, qui est un peu plus approfondi. Vous avez le choix en 3 orientations. Soit l'orientation clinique, ou c'est avec une clientèle qui vous intéresse, finalement. Là. Le stage un peu plus... la grande majorité des finissants vont choisir cette option-là. On a aussi le cheminement international. Le cheminement international, c'est une opportunité de faire un stage à l'étranger d'une durée de 12 semaines. C'est sûr que dans le contexte sanitaire actuel, c'est un peu difficile, mais on espère, là, on croise les doigts pour que ça puisse reprendre là, vraiment rapidement. Il y a le cheminement honor aussi qui est possible. Le cheminement honor, ça s'adresse aux étudiants qui ont maintenu tout au long de leur parcours une excellente moyenne générale. Donc, c'est sur invitation et puis, ça consiste à faire tout de suite en commencer. C'est comme un cheminement accéléré vers la maîtrise. Les étudiants peuvent en dernière session faire déjà des cours de maîtrise qui seront crédités là, s'ils poursuivent. Bien sûr, la poursuite de la maîtrise est vraiment non obligatoire, mais ça peut être intéressant pour les étudiants qui ont un intérêt pour la recherche, par exemple. Voilà. Sinon, on a l'option de faire un programme qui s'appelle, en fait, c'est des trajectoires. Finalement, vous allez avoir plus de détails en début de session. Et on va vous permettre une implication à différents niveaux, que ce soit communautaire, international ou en recherche. Donc, c'est vraiment, c'est en développement actuellement et il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Donc, vous allez avoir plus de détails là, sous peu. Voilà un peu ce qui concerne là, la structure puis la dernière session. Je laisse maintenant la parole à Toris qui va poursuivre avec les activités. Merci. Ton micro. Bien désolée. Parmi les activités d'apprentissage dynamique, nous offrons des apsiques,
activités de simulation et stages. Qu'est-ce que des APSIC? L'acronyme signifie activité par situation infirmière clinique. C'est un format d'apprentissage où vraiment l'étudiant est au cœur de ses apprentissages. Il est maître de cet apprentissage. On suscite beaucoup son autonomie pour aller chercher les réponses et comprendre une situation. Concrètement, ce que c'est, vous êtes dans un petit groupe de 8 à 10 au maximum. Le tuteur présente une situation clinique. Ensemble, vous allez analyser la situation clinique et vous posez des questions. Donc, vous formulez des hypothèses, vous émettez des questions, tout ça dans le but de mieux comprendre, mieux saisir les éléments de cette situation clinique et donc d'intervenir adéquatement au niveau des soins. Vous retournez à la maison, vous entreprenez des lectures dirigées dans le but d'aller chercher ces éléments de réponse-là. En deuxième temps, vous revenez en classe, vous retrouvez votre groupe et c'est là que vous mettez en commun les réponses trouvées, vous mettez à contribution les liens que vous êtes faits, la réflexion que vous avez par rapport à la situation clinique. C'est un moment d'échange, de réflexion, de discussion, bref, l'entraide puis la solidarité. C'est de cette façon-là qu'on a pu voir qu'on apprend différemment, mais en même temps d'une manière plus efficace encore. Le tuteur, il est votre accompagnateur à travers ce processus. Il fait office de guide et de facilitateur à travers ce processus d'apprentissage. Au niveau des activités de simulation, ce sont des activités qui permettent à l'étudiant de sortir de la théorie et de se mettre dans l'action dans un environnement simulé qui correspond au quotidien de ce que peut voir l'infirmier clinicien. Donc, que ce soit une salle de laboratoire dotée d'équipements fine pointe technologique, chambre de patients typique dans un centre hospitalier ou que ce soit dans un CHSLD, une salle de réanimation dans les situations d'urgence ou soins intensifs, ça peut même être des salles d'accouchement. Donc, ces activités de simulation clinique, bien sûr, comprennent une multitude d'outils. Donc, à la fois des comédiens qui peuvent servir de patients standardisés. Ça peut être également des mannequins programmables, donc qui vont reproduire quasi parfaitement les réponses physiologiques d'un être humain. Donc, l'interaction est vraiment intéressante. Et nous avons des scénarios de simulation en réalité virtuelle immersive de 360 degrés. Donc, ce que c'est concrètement, vous avez un casque visuel, un casque d'écoute, vous avez des manettes. Au lieu de vous prêter aux jeux vidéo, vous allez vous prêter à des soins. Donc, admettons, vous faites une visite à domicile, vous voulez faire un changement de pansement. Alors, vous allez vraiment sentir qu'avec ces équipements-là, être dans le milieu du patient. Donc, non seulement vous êtes là à interagir avec lui, mais vous allez pouvoir explorer son milieu, ses habitudes de vie, des facteurs de santé. Donc, vraiment, des liens vont se faire presque instantanément. C'est vraiment un apprentissage en profondeur. Vous vivez la situation, vous l'expérimentez. Donc, l'apprentissage est vraiment à un autre niveau parce que les cinq sens que vous avez, ben, ils se mettent vraiment en action. Au niveau des stages, donc comme Karine l'a dit, à travers le programme du baccalauréat, il y a 7 stages qui vous attendent, qui commencent dès la première année. Il faut savoir que nous sommes partenaires avec plus de 18 centres affiliés, au moins une centaine de milieux cliniques diversifiés disponible pour effectuer vos stages. Nous vous aidons à faire le lien avec le milieu clinique. Donc, on va demander vos priorités, vos préférences et on va tenter de répondre à ce besoin-là. Mais c'est nous qui s'occupons, le secteur clinique s'occupe de cet aspect-là. Je voulais aussi mentionner que les stages sont bien sûr obligatoires dans le curriculum, puis c'est vraiment des expériences qui vous enrichissent. Je vais vraiment maintenant laisser la parole à Annabelle Lemay qui va vous livrer son témoignage sur le stage. À toi la parole, Annabelle. Merci. Donc, moi, j'ai fait mon stage en chirurgie. Ce fut vraiment une belle expérience où j'ai beaucoup appris auprès de ma préceptrice. Les activités de simulation m'ont entre autres permis de bien m'y préparer. D'ici la fin de ce stage, je savais comment faire une évaluation complète auprès de mon patient ayant subi une chirurgie. J'ai aussi eu la chance de mettre en application différentes techniques telles que les pansements vagues, les tubes nasogastriques et les pansements mèches.
Le stage m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'appliquer les nombreux apprentissages étudiés durant ma première année de baccalauréat, ainsi que me donner confiance en mes capacités. C'est vraiment à la suite de ce stage que j'ai eu la chance de prendre en compte que c'était qu'être infirmière, c'était ma voie. J'ai aussi fait d'autres stages en santé mentale et j'ai vraiment hâte de faire les prochains stages. Annabelle, est-ce que tu peux nous dire à quel endroit tu es allée en stage de chirurgie? J'ai fait mon stage de chirurgie à l'hôpital de Pierre-Boucher sur la Rive-Sud et mon stage de santé mentale à l'hôpital de Jean-Talon sur l'île de Montréal. Merci beaucoup pour votre information, en fait pour l'information là, de nos participants. Là, le stage de chirurgie, c'est celui qui a lieu à la fin de la première année. Donc, dès la première année, là, les étudiants sont en mesure là, de faire une intervention, une évaluation complète là, sur des patients. J'ai l'impression que tu as suscité plusieurs questionnements, Annabelle. On va vous revenir. Il nous reste un petit bout de contenu à vous présenter. Donc, je vous repartage mon écran. Puis après ça, là, on va passer aux questions. Merci, Annabelle. On a pris le temps de vous mettre ces deux bourses-là en lumière. Okay? Dans le cadre d'un programme d'études universitaires, il y a beaucoup d'opportunités d'obtenir du financement. Outre les prêts et bourses du gouvernement, il y a d'autres bourses qui peuvent être obtenues là, par le biais du service d'aide aux étudiants. Mais ces deux bourses-là que vous voyez à l'écran, elles sont spécifiques là, vraiment au programme de bac en sciences infirmières et elles sont offertes là, par le ministère. Celle qu'on connaît depuis le plus longtemps, c'est la bourse de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires. Cette bourse-là permet aux étudiants, dans le cadre de leur dernier stage, d'obtenir un montant de 2 800. Donc, il y a un premier versement de 1 400 qui est versé avant le début du stage et l'autre moitié est versée là, une fois que l'étudiant a réussi son stage. Donc, c'est un peu là, une forme de rémunération pour le dernier stage du programme, autant pour les étudiants du bac initial que pour les étudiants du programme de DECBAC. L'autre élément que vous voyez à l'écran, c'est le programme main-d'œuvre Bourse Perspective Québec, qui fait partie des nouvelles mesures qui ont été annoncées par le ministère au mois de novembre. Donc, ça va être un nouveau soutien financier qui va être disponible à partir de l'automne 2022. Et de ce qu'on a su, parce que là, les critères ne sont pas encore établis là, très clairement, mais tous les étudiants qui débutent un baccalauréat en sciences infirmières, que ce soit de la formation initiale ou de la formation DECBAC, vont avoir accès à un maximum de 15 000 répartis là, sur 3 ans d'études ou un peu moins là, pour les étudiants qui feront 2 ans. Donc, voilà pour les bourses. Je repasse la parole à Doris. Merci. Pour des informations sur l'admission, on vous invite à consulter dans les prochaines diapositives. Il y aura les liens web en lien avec les bureaux d'admission de l'Université de Montréal. Mais il faut savoir que pour être admis au programme de bac, la cote R, ou cote de rendement demandée, est de 24,5. Pour les détenteurs d'un DEC en soins infirmiers, votre permis de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec va être requis avant la complétion de votre programme. Donc, vous devez l'obtenir, mais vous avez un petit peu de temps là, si jamais ça n'arrive pas en temps voulu. Il faut se rappeler que nous avons des étudiants tant à Montréal qu'au campus de Laval. Donc, les admissions à l'automne se font sur les deux campus. Dans les dates limites pour admission, pour la session d'automne, c'est le 1er mars pour ceux qui proviennent du collégial, 1er février pour ceux qui proviennent du milieu universitaire. Pour une admission à la session d'hiver, ça s'offre au campus de Laval et la date limite est aux alentours généralement du 1er novembre. Il faut également savoir que le campus de Montréal se situe près du métro Édouard-Montpetit. Campus de Laval, vraiment la sortie du métro Montmorency à Laval. Entre les deux pavillons, 20 minutes au plus d'écart là, en matière de distance pour le déplacement. On vous invite, lorsque vous aurez la chance de visionner deux présentations, donc la première présentation des programmes de premier cycle qui se veut un complément de la, pré-
de la présentation d'aujourd'hui avec des détails plus précis et la présentation des cheminements Honneur International. Ce sont, dans le fond, des entrevues réalisées auprès d'étudiants qui sont passés à travers ces cheminements-là. Donc, ça pourra vous donner un aperçu plus clair de ces cheminements-là. Enfin, c'est la diapositive sur les liens web là, du bureau d'admission. Alors, on vous invite à aller sur admission.umontréal.ca et nous avons également mis le site Internet de la Faculté des sciences infirmières. En fin du partage d'écran, on va maintenant être rendu à prendre vos questions. Donc, j'ai vu qu'il y a des étudiants qui ont levé la main. Donc, je pourrais, là, en fait, des futurs étudiants. Excusez-moi. Donc, je pourrais vous donner la parole, mais on aimerait mieux vous poser les questions par écrit. Ça va nous aider là, à mieux gérer l'ordre des priorités. Donc là, je vais aller ouvrir là, le petit onglet de questions et réponses. Je peux tout de suite vous dire, on a plusieurs questions qui concernent l'admission. Hein? Donc, des gens qui ont fait une formation dans un autre pays ou dans un autre programme, on n'est pas équipé aujourd'hui pour répondre à ce genre de questions-là. OK, on va par contre vous référer au site des admissions. Donc, je vais le redéposer. Il était dans notre présentation, mais je vais vous le redéposer à l'instant dans le clavardage. Doris, est-ce que tu l'as pas loin? Je l'ai mis. Oui, il est là. Merci bien. Excellent. Donc, le voici. Donc, nous, on va se concentrer aujourd'hui. Le but de la présentation, c'est vraiment là, de vous présenter les programmes d'études. Donc, les questions qu'on va prendre aujourd'hui sont vraiment en lien avec le fonctionnement des programmes et autres. Fait que ne vous gênez pas, hein, un peu comme on vous l'a présenté, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça vous présenter de la matière à la Faculté des sciences infirmières, on aime beaucoup mieux quand c'est dynamique. Donc, je regarde rapidement les questions. Bon, il y a quelqu'un ici qui nous demande, je vais faire un retour aux études à temps partiel. Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose là, dans les deux premières sessions? Doris, tiens, je vais te laisser répondre à cette question-là. Oui, merci. Effectivement, le programme du bac initial ou bac ou DEC-BAC, finalement, se veut comme étude à temps plein, comme on vous l'a mentionné. 2 ans pour DEC-BAC, maximum de 4 ans. 3 ans pour bac, maximum de 5 ans, mais il y a possibilité de regarder pour des allègements. Donc, admettons, je vous donne un exemple, la première session, on a des demandes d'allègement dès la première session, c'est-à-dire qu'on prend la première session et on la divise en deux dans la mesure du possible. Donc, durant la première année, vous faites l'équivalent d'une seule session. Donc, admettons, il y a 5 cours à la session 1, bien, vous en faites, admettons, 3 dans l'une, 2 à la prochaine, puis c'est de cette façon-là que vous poursuivez pas l'entièreté du programme, mais dans la mesure du possible. Admettons, première année, c'est possible. Merci beaucoup, Doris. On avait quelqu'un qui nous demandait, avec un bébé à la maison, est-ce que ça se fait? Mais effectivement, c'est ce genre de cheminement-là qu'on va recommander. Et c'est Karine, Doris et moi qui allons vous accompagner dans ce choix de cheminement-là ou ce choix de cours-là. Lors de votre admission dans le programme, on vous recevra individuellement puis on fera avec vous un cheminement là, qui vous convient. Alors, voilà. On a quelqu'un ici qui nous demande si j'ai bien compris, nous pouvons commencer en hiver 2023, est-ce que la structure est la même? La réponse, c'est oui. Donc, les cours, là, la grande majorité des cours s'offrent à l'automne et à l'hiver. Il y a quelques exceptions parce que notre trimestre d'hiver est plus long, mais en général, oui, on peut commencer à l'hiver, le cheminement est très sensiblement le même. C'est quoi l'idéal entre la différence entre faire un DEC-BAC ou faire directement un bac? C'est une excellente question. Mesdames, est-ce que vous voulez que je réponde ou il y en a une de vous qui voulait se lancer? Je peux répondre. Vas-y, Karine. En fait, comme je vous ai dit, le programme du bac initial est offert aux étudiants qui ont un DEC en sciences de la nature ou l'équivalent. Donc, sur le site de l'admission, là, vous allez voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent dire par l'équivalent, parce qu'il y a quand même des prérequis là, très précis.
OK? À ce moment-là, vous faites 2 ans d'études collégiales plus générales. OK? Et ensuite, après vos études collégiales, vous pouvez faire une demande dans un programme universitaire qui dure en général 3 ans. Donc, c'est sûr que vous avez encore le choix après ce DEC, le DEC que vous faites là, qui vous donne cette opportunité-là. Donc, le 3 ans de bac, bien, c'est sûr que ça. Donc, vous ne pouvez pas travailler là, après votre DEC en sciences de la nature, par exemple. Vous n'avez pas nécessairement de spécialité pour intégrer le marché du travail. Si vous faites un DEC en soins infirmiers, bien, à ce moment-là, vous avez un DEC technique qui est plus spécialisé. Vous allez apprendre tout de suite le métier. Et vous pouvez aller directement sur le marché du travail après ces 3 années-là. Si vous voulez poursuivre après au bac, à ce moment-là, on va vous, comme je vous ai dit tantôt, on vous reconnaît 1 an. Donc, le bac va durer 2 ans. C'est comme une passerelle qui fait en sorte qu'on vous crédite la première année. Donc c'est vraiment différent là, comme ce que vous allez apprendre aussi au cégep, parce qu'au cégep, vous allez apprendre des notions qui sont très appliquées pour la profession. Tandis que si vous faites le DEC technique, mais si vous faites le DEC pré-universitaire, bien, à ce moment-là, c'est plus général. Puis je vous référerais aussi, si vous avez besoin de, si vous ne comprenez pas, aussi difficile de comprendre le système scolaire québécois, il y a d'aller voir, soit de prendre rendez-vous avec un conseiller en information scolaire, un conseiller d'orientation, puis aller voir sur le site des admissions, sur le site des nouveaux étudiants, des futurs étudiants, c'est bien expliqué. Puis aussi de vous référer là, pour tous ceux qui ont fait leurs études à l'étranger, on n'est pas en mesure de vous dire si oui ou non c'est équivalent. Donc, il faut vraiment vous référer au service des admissions où eux ont l'expertise d'évaluer aussi les demandes de ce type-là. Merci, Karine. En fait, là, les deux cheminements durent 5 ans au total. Hein? On fait 3 ans de cégep et 2 ans de bac ou 2 ans de cégep et 3 ans de bac. Donc, les deux cheminements au total prennent le même nombre d'années. Ça dépend vraiment là, de la formation que vous avez faite avant de vous intéresser aux sciences infirmières. Donc, merci, Karine. Je continue là, de descendre dans notre liste de questions. Pour la formation initiale, est-ce que l'examen de l'OIQ se fait durant le bac? Je vais répondre à cette question-là. La réponse à ça, c'est non. Il faut avoir fait l'ensemble de la formation du bac initial pour avoir accès là, à l'examen professionnel de l'ordre qui va vous permettre d'exercer comme infirmier ou comme infirmière au Québec. Pour vous donner un exemple, là, nos étudiants qui terminent leur formation au mois de mai se soumettent à l'examen de l'ordre au mois de septembre qui suit. Ah, oh, ça, c'est une question très intéressante. Lorsque nous graduons du programme en sciences infirmières de l'UDM, est-ce que notre diplôme est reconnu dans tout le Canada et ailleurs? C'est une excellente question parce que la réponse est belle aussi. Donc, la réponse, c'est oui. OK, vous, le bac en sciences infirmières, il est reconnu à l'extérieur du Québec et il est aussi reconnu là, à l'international. Ce que vous pourriez par contre avoir à faire, c'est vous soumettre à l'examen professionnel des autres provinces ou des autres pays. Mais le baccalauréat comme tel, il est reconnu. C'est d'ailleurs, là, je vous dirais, un des grands avantages du programme de bac. C'est une des différences aussi comparativement à la technique, hein, le DEC en soins infirmiers n'est pas reconnu dans les autres provinces ou dans les autres pays. On a une question ici. Quelle capacité avez-vous en formation initiale? Combien d'étudiants peuvent rejoindre une cohorte? Doris, est-ce que tu voudrais répondre à cette question-là? Je peux me baser sur la réalité. À chaque année, on a quand même une centaine d'inscrits comme étudiant. Donc, à chaque session d'automne, là, on a 90-100 étudiants inscrits parce qu'après, les étudiants ont plusieurs choix, hein, puis des fois, ils désistent, mais ça s'élargit jusqu'à ce nombre-là, je dirais. Oui, si je peux compléter. En fait, on a 3 sections différentes au total qui contiennent jusqu'à 120 étudiants à l'automne. Puis à l'hiver, on en a 1. OK, donc ça fait beaucoup de place. Mais ça fait en sorte que nous sommes contingentés.
Donc, on vous a présenté la cotarde de 24,5 tout à l'heure comme étant là, une exigence d'admission. Mais quand on reçoit beaucoup de demandes d'admission, ça arrive qu'on remplisse nos places et qu'on arrête, par exemple, à 26 ou à 25. Okay, donc, effectivement, on est un programme là, qui est considéré comme étant contingenté. Il y a quelqu'un qui nous demande quelle est la procédure pour devenir infirmière praticienne spécialisée. C'est une très belle question. On est toujours content que les futurs étudiants du bac aient un intérêt pour les cycles supérieurs. Donc, à l'Université de Montréal, on offre aussi beaucoup de programmes de deuxième cycle. Et le programme d'infirmière praticienne ou d'infirmier praticien spécialisé en fait partie. Donc, pour devenir infirmier ou infirmière praticienne, on doit avoir fait un bac en sciences infirmières. On doit avoir travaillé au moins 2 ans à temps plein dans un des domaines qui nous intéressent. Et ensuite, on peut présenter une demande d'admission là, au programme de maîtrise comme infirmier ou infirmière praticienne spécialisée, qui est un programme de 2 ans. Vous allez voir, là, si vous restez dans la séance, on a nos collègues du deuxième cycle qui suivent. Hein? Donc, il y a une séance là, après ça sur les deuxièmes cycles en sciences infirmières. Et donc, vous pourrez là, avoir plus d'informations sur les programmes de maîtrise. Alors, on a 2 petites questions ici. J'ai vu qu'il y avait un stage à la fin de la première année, mais j'aimerais savoir s'il y a aussi un stage à la fin de la première session. La réponse qu'on a pour vous aujourd'hui, mesdames, je vais me permettre de répondre. En temps normal, quand il n'y a pas un contexte de COVID-19, et on a réellement un stage à la fin de la première session pour les étudiants du bac initial et un stage à la fin de la première année. On est un petit peu chamboulé actuellement par ce qui se passe dans les milieux cliniques. Donc, ce qu'on a fait pour pallier à ça, c'est qu'on a fait un plus long stage à la fin de la première année. Mais normalement, dans la structure qui vous est offerte, pour les étudiants du bac initial, il y a vraiment 2 stages en première année. Donc, un à la fin de la première session, un à la fin de la deuxième session. Pour les étudiants du DECBAC, le stage arrive à la 2e session. On nous demande ici, est-ce qu'à la fin du programme, l'étudiant est automatiquement admis à l'ordre ou est-ce qu'il en faut plus que ça pour passer l'examen? C'est une excellente question. Les étudiants peuvent commencer à travailler. Karine, tu voulais-tu répondre? Je t'ai vu t'approcher. Ça va, j'essaie de répondre un peu à... Aux questions par écrit. Magnifique. Pour avancer. Ben alors, je vais répondre oralement, moi. Donc, en fait, là, à la fin du programme de bac initial en sciences infirmières, les étudiants sont autorisés à commencer à travailler comme candidat à l'exercice de la profession infirmière. Donc, c'est le rôle plein. Donc, c'est vraiment, ils peuvent travailler selon l'étendue de la profession infirmière, mais ils sont accompagnés par une infirmière qui va, par exemple, contre-vérifier certains éléments. Et dès que l'examen professionnel de l'ordre est réussi, bien à ce moment-là, là, c'est vraiment le titre d'infirmier ou d'infirmière clinicienne qui arrive. Et là, elle peut vraiment travailler de façon là, complètement autonome sans être supervisée par une autre infirmière. Alors, on a une question aussi que peut-être que je laisserai Annabelle répondre. Est-ce que les cours sont en bloc de 3 heures comme dans un cheminement normal ou est-ce qu'il y a moyen de voir un exemple en horaire usuel? Annabelle, est-ce que tu pourrais donner un exemple de ton horaire à toi actuellement là? Oui, donc mon horaire n'est jamais la même. À chaque semaine, mes cours sont placés à différents endroits. On a des apsiques, donc les allées et les retours, comme Doris le mentionnait. C'est d'une durée d'à peu près 2h30-3h. C'est bien rare qu'on a des cours qui durent 3 heures exactement. Souvent, durant les cours, on échange entre étudiants. Donc, le temps passe vite, on a les tuteurs qui viennent nous accompagner. C'est surtout au niveau des lectures par la suite que ça va nécessiter beaucoup plus de temps. Donc, on n'a pas des cours tous les jours, avant-midi, après-midi. On a quelques cours et beaucoup de lectures à faire entre les cours. Voilà. Merci Annabelle. Donc, Annabelle est rendue en 2e année et l'horaire est un peu moins identique de semaine en semaine, mais pour la première année du baccalauréat initial puis pour la première session là, du DECBAC, l'horaire est plus stable.
Donc, il y a des différences entre les différentes sessions, en fait. Donc, un peu comme Karine vous le disait dans la présentation, là, on a un type d'horaire qui est plus régulier, puis on en a un qui est un peu moins régulier. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on rend disponible l'horaire plus d'un trimestre d'avance. Donc, par exemple, au mois de décembre, on avise les étudiants que l'ensemble de l'horaire pour tout le trimestre d'hiver est disponible et qu'on s'engage à ne pas le modifier. Donc, ça donne un bon coup de main là, pour la conciliation travail-famille-études. Bonjour, la formation de DECBAC est en ligne ou en présentiel. Donc, ça, c'est important. Dans un contexte régulier, la formation est en présentiel. C'est sûr qu'avec le contexte sanitaire actuel, on a transformé nos formations en ligne. Il y a peut-être certaines activités qui vont demeurer en ligne, mais il faut vraiment là, garder en tête que la formation là, va être en présentiel là, majoritairement là, pour aussitôt que le contexte régulier que nous retrouverons la normalité, si je peux dire. On a quand même deux cours qui s'offrent entièrement en ligne. Donc, on a quand même commencé à intégrer là, des activités en ligne dans nos programmes. Donc, le cours de santé et de vieillissement qui arrive en dernière session s'offre entièrement en ligne. Puis pour les étudiants là, du bac initial, le cours SOE 1804 qui s'offre en première session est en ligne aussi. Donc, vous allez quand même être en contact avec du matériel numérique, hein, donc de cours en ligne. Mais effectivement, là, on demande dans un programme où il y a une plus-value là, à avoir des activités en présentiel. Merci, Karine. Bienvenue, j'en ai d'autres si tu veux. Vas-y. OK. J'avais la question aussi, si je m'inscris à la formation de DECBAC et que je travaille pendant mes études, est-ce que dans le fond, mes heures seront comptabilisées ou seront reconnues comme expérience? Donc, c'est une très bonne question. Et puis, malheureusement, non, les heures que vous faites en tant qu'infirmières et infirmiers ne sont pas reconnues. Là. C'est vraiment ce qui va être considéré à l'université dans le cadre des cours au niveau pédagogique qui va être ouais. Je pense que ça dépend. On veut une reconnaissance. Pourquoi? Si vous parliez du 2 ans d'expérience qui est nécessaire pour entrer dans le programme de maîtrise d'infirmière praticienne spécialisée après le bac, oui, ces heures-là sont comptabilisées. Hein, donc, les heures de travail que vous faites pendant le programme de DECBAC, oui, elles vont compter dans le total de 2 ans. Mais je pense que de la façon dont on avait compris la question en la lisant au primaire, là, c'était est-ce qu'il y a possibilité de se faire créditer des stages, par exemple, quand on travaille déjà dans le milieu? Puis là, la réponse, c'est non, parce qu'il y a toujours des apprentissages supplémentaires à faire. Hein? La formation du DECBAC, elle est faite pour vous amener plus loin dans votre développement de compétences. Donc, il faut suivre là, les cours qui sont à l'horaire. Mais il y a quand même 1 an de moins à faire là, qui vous sont mis en exemption. Merci, Karine. Est-ce que tu en avais d'autres qui méritaient qu'on les dise à voix haute? Il y a beaucoup de gens qui me demandent là, si leur programme est reconnu. Encore une fois, là, je ne peux pas répondre à cette question-là, malheureusement. Et puis, quand vous allez avoir une réponse, ben, la réponse, normalement, elle vient entre avril et juin, là, mais c'est vraiment le service de l'admission qui s'en occupe. Donc, je vous dirais là, de ne pas vous attendre à avoir une réponse trop rapidement parce que le temps que tous les dossiers soient traités. Alors, c'est le temps qu'on avait pour répondre à vos questions aujourd'hui. C'est toujours déchirant. On n'a jamais le temps de faire le tour, mais je pense qu'on a quand même couvert beaucoup de sujets. Donc, mesdames, est-ce qu'il y en a une de vous là, qui pourrait nous y remettre le lien? Je pense qu'on aurait besoin à nouveau du lien des admissions, puis peut-être du lien vers le site de la Faculté des sciences infirmières. Comme ça, là, vous pourrez là, nous écrire si jamais là, vous avez d'autres questions qui vous reviennent. Alors, merci beaucoup pour votre participation très active. On espère avoir le privilège de vous revoir là, dans un de nos programmes. Et donc, on vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à nous écrire là, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Donc, si c'est des questions sur les programmes, vous devez écrire à la Faculté des sciences infirmières. Si c'est des questions sur les admissions, c'est plutôt au service de l'admission que vous devez écrire.
Alors, un immense merci. On doit vous quitter pour laisser la place à nos collègues des deuxième cycles. Merci, mesdames les panélistes. Merci. Merci à vous.